Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, vous allez voir un tour de magie automatique. C'est le genre de tour qu'on fait aux magiciens, hein, je vous le dis de suite. Parce que même s'ils possèdent des bagages techniques, eh ben, ils n'arrivent pas à remonter le tour s'ils ne connaissent pas la méthode. Et là pour le coup, il n'y a rien à faire et pourtant on a un effet avec plusieurs phases, avec un final, avec plusieurs révélations qui coïncident sans pour autant manipuler les cartes. Bref, comme d'habitude, vous avez tous les liens dans la description, que ce soit pour la vidéo explicative, pour l'école de magie, les réseaux sociaux, etc. N'oubliez pas le gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, laissez-moi un commentaire dans cette vidéo. Vraiment, je les lis tous à chaque fois. Dites-moi ce que vous voulez, laissez un petit com, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, la petite cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne, etc. Bref, tout est dans la description. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour la démo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo de ce tour avec un jeu de cartes. Alors vous allez voir, pour ce tour, c'est exceptionnel. Normalement j'ai besoin d'un spectateur, donc je vais faire le rôle du magicien du spectateur. Mais ça se passe vraiment comme ça dans la vraie vie avec un vrai spectateur. Donc je vous montre, vous posez votre jeu sur la table comme ceci. Vous demandez à un spectateur de couper un petit paquet, à peu près un peu moins de la moitié du jeu à peu près. Donc c'est lui-même, hein, c'est pas moi, c'est le spectateur qui fait ça à la louche, voilà, il fait ça, hop, il coupe un petit paquet. Et vous, donc vous voyez pas, vous prenez ce paquet comme ceci et ce paquet vous le mettez soit dans le dos, soit sous la table. Et ce que vous faites, c'est soit vous dites que vous allez retourner plusieurs cartes et que vous allez hésiter entre plusieurs cartes. Alors là je le fais, hein, on va faire comme ceci. Voilà, comme ceci, voilà, et vous ramenez le jeu sur le dessus. Alors voilà, hein, donc là ça se fait vraiment en dessous, dans le dos. Vous dites ce que vous voulez, hein, que vous faites des incantations, n'importe quoi. À la louche, vous avez fait une prédiction, vous avez retourné deux cartes dans le jeu. Ça, personne ne peut le savoir sauf vous, hein, finalement. Et là, et même, ce qui est très fort, c'est que si vous faites dans le dos, vous ne montrez pas les cartes que vous retournez. Hein, personne ne peut le savoir, hein, même moi, sans regarder, je ne suis pas capable de savoir les cartes que j'ai retournées. À ce moment-là, le spectateur a son paquet qui est juste devant lui, comme ceci, regardez bien. Là, pour la première fois, je fais un ruban, et on peut voir dans le ruban que j'ai retourné deux cartes, ici. Alors ici, j'ai un 10 et un roi. Donc le roi, ça vaut 13, hein, il faut savoir. Donc ici, finalement, j'ai 23, d'accord, 10 plus 13, ça fait 23. Ça serait fort, quand même, que les cartes que le spectateur a coupées, on en ait, regardez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Pas une de plus, pas une de moins. Incroyable, coïncidence peut-être, vous me direz. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que entre les deux cartes qui forment le 23, on a un paquet de cartes. Et ça serait vraiment fort que ce paquet corresponde également à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Étrange coïncidence, hein, ce nombre 23. D'ailleurs, il me semble que Jim Carrey avait fait un film qui s'appelle également Le Nombre 23. Mais ça, est-ce une coïncidence ou un tour de magie ?